Bonjour à tous et bienvenue. Je suis la personne qui a perdu, qui n'a même pas tiré au but, qui a même pas fait les tirs au but et qui a perdu parce que son équipe n'a pas réussi lors des tirs au but. Yes! C'est génial, j'adore ça. Et du coup, on va jouer contre Monaco. Ah, je suis très content parce que je suis titulaire, donc ça veut dire que qu'il m'apprécie, que l'entraîneur me veut, et ça, c'est bien. Donc du coup, là, ça doit être Silvinho, étant donné que Rudy Garcia n'est toujours pas là. C'est vraiment le choc dans cette Parce compétition que auquel si on va Silvinho assister. avait bien On peut réussi, s'attendre à vraiment un beau match entre ces deux équipes. il n'y aurait pas de problème. Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'il a raté. Malheureusement. Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver C'est aujourd'hui à parce qu'on a Monaco été pour suivre premier et cette on belle est affiche. actuellement Au septième. commentaire, c'est bien sûr le duo Matheus Et encore, qui c'est va pas vous fini. accompagner. Je vous apprends rien, c'est aujourd'hui que la Ligue 1 Conforama reprend ses droits avec donc ce match. Allez, on peut L'AS le faire quand Monaco même, face à malgré tout. l'Olympique Lyonnais. Voilà une belle façon de saluer la reprise du championnat. On a le droit à une Yes, et super voilà, ça ambiance c'est en bien tribune. L'attente ça. a été longue, mais maintenant ça y est, c'est parti. Et l'idéal, Bon, évidemment, allez, c'est de tiens, commencer parce que par moi une je peux pas tout victoire. faire. Calendrier est un petit peu particulier quand même, puisque dès la première journée, on a droit à cette belle affiche. Oh, ça c'est Comme magnifique. on dit, ça Oh, peut envoyer Glick du qui est lourd. dépassé. Après la Non! tentative. De prendre l'avantage. On peut me l'attribuer comme passe d'ess. Pour le plus grand bonheur des Non? supporters, regarde-moi On peut ça. me l'attribuer comme passe d'ess. Parce que Bon, regardez, j'ai lancer fait du mal, on l'effort aurait quand pour même envie d'avoir une détruire chance pour Glick. le gardien qui en réalité Putain, non ne peut mais pas faire grand-chose pour je l'ai éviter pas le but. cadré, mais c'est chiant. C'est Bon, Awar il en l'Olympique Lyonnais qui profite, mène. heureusement, mais c'est bien pour l'équipe. Mais moi je voudrais bien avoir au moins un but, quoi. Mon premier but en Ligue 1, ça aurait pu être celui-là, quoi. Cesc Fabregas. Et encore récupéré, Dangereux quoi. pour l'adversaire. Oh là là! Tiens. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Oh, Bien j'aurais donné le pu. ballon. Je suis tombé. Et je vais voir un Loël truc qui qui va récupère ce écrire ballon. reste en position. Vous le sentez le. Voilà, il était arrivé. Ben oui, comme par hasard. Putain, je suis Mathes. tombé et. Reste en position, Qu'est-ce non qu'il mais. va faire? Non, Ah, c'était. vilaine Il était passe hors-jeu. directement à l'adversaire. On va protéger bien sa balle. C'était pas ça que je voulais faire. Tant pis. C'est fait. On peut pas revenir. Pur adversaire. Vous foutez de ma gueule là? Ah, C'est la quoi passe cette en passe? profondeur, attention. Il a manqué peut-être de conviction cette attaque. Là, ça joue bien. Oussemawar. On cherche une solution. Oh! C'est qu'il y a un espace et c'est Mais comment perdu. j'ai pu rater cette Et ce passe? ballon est intercepté. Ah, il a mis de l'intensité dans son geste Mais ça va trop défensif. Ça lui a vite! permis de Ça part de récupérer le droite à ballon. gauche. Keita Baldi. Cesc Fabregas. On n'a pas. Monaco pose le jeu là. Là, ils sont en train de poser le jeu. Ce stade qui a déjà été rénové, Pierre, avec quelques travaux récemment. Oui, alors je ne peux pas vraiment te dire lesquels. Hein. Peut-être changer les ampoules. Hein. Ah, ça m'a pas frappé. Hein. C'est bâtard de dire ça du stade Louis II. Siliconé. Oh putain, les bâtards! C'est à voir. Oh On cherche la brèche en faisant là tourner. là là là! Heureusement que j'ai Robertson fait ça. disponible. Allez, pour qui ce centre? Oh, mauvaise relance. Mais. Reste placement Marcelo. incertain. Mais putain, je Balayer. peux pas être partout! Je vous rappelle que je suis milieu offensif. Oussemawar. Thiago Mendes. Oh. Il essaye de trouver la faille. Oh, bien joué. Putain, mais C'était c'est chaud. Il a impossible. Je rate dégagé. tout là. Cesc J'ai raté toutes mes passes. Je veux marquer. Fabregas. Je veux Le faire une grand gardien première passe maître. d'ess en Ligue 1. Keita Baldé Oh, Diao. bien joué. Et le gardien qui Bien s'est joué, jeté Lopez. sur ce ballon. Magnifique. Les supporters ici savent que ce corner est C'est peu important. complexe. Ouais, bien Allez, tiré on peut ce le faire. corner. Et cette tête ne donnera rien. Ça Oh. passe très loin du cadre. Ouais, Pas mais mal, ça Glick. reprend Pas mal. Donc mal. du coup, c'est sans danger pour le gardien. C'est pas mal. Thiago Mendes. Alors.
Bien. Ça passe. Des solutions là. Non, c'est pas ça. Mais placement incertain, mais putain. Mais arrêtez. Non, mais ça, c'est chiant, FIFA. T'as même pas le temps de te replacer que direct, il te fustige. Yes. Non, c'est pas bon, ça. Oh, mais c'est pénible. Allez. Allez, Lyon. Ah, ben voilà, c'est bien, ça. Oh, c'est bon, c'est pensé. Vas-y, passe par là, là. C'est de la merde. C'est de la merde. Je joue comme une bouse. Tu dois assurer tes passes courtes. Oui. Oui. Bon, ben, je m'enfonce, hein. Vu que personne va le faire. Oh là là. Quelle conservation de balles. Ouais, du coup, je la passe à qui? Le robot a bien choisi. Hein. Léo Dubois. Bertrand Traoré. Une, deux. Allez, moi, j'ai plus là-bas. Hein. C'est pas bien centré. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Ici, hein. Merci. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, c'est pas très bien joué. Bon, écoutez, faut savoir tenter dans la vie, hein. J'ai raté tous mes tirs. Non, c'est trop enlevé, ça passe au-dessus. Ouais, mais au moins, faut tenter, il faut tenter, c'est bien ça. Moi, je dis, tente, et si ça marche, tant mieux, et si ça marche pas, bah tant pis. Mais il faut tenter dans la vie, il faut prendre des risques. Parce que si personne ne prend des risques, à quoi bon vivre? Enfin, non. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent sans prendre de risques. Bon. Moi, j'aime beaucoup prendre des risques. En fait, moi, ma drogue, il y a des gens, ils aiment bien. Leur drogue, c'est le cannabis, c'est l'alcool, c'est fumer, c'est cigarettes. C'est tout ça, quoi. C'est leur drogue. Moi, ma drogue, c'est le risque. J'adore prendre des risques. J'adore entreprendre des choses, prendre des risques. Si ça marche pas, tant pis, je perds de l'argent, je perds du temps. Mais au moins, on prend des risques. Mais au moins, on apprend quelque chose. Et c'est une drogue, quoi. Pour moi, c'est une drogue. Ouais, donne de l'air à son équipe. Waouh, Traoré, t'es totalement bugué. Ok. Il veut pas de moi. Ce que vous pensez du prochain match de l'OL, Pierre. Les joueurs vont retrouver Angesco pour cette prochaine rencontre. Et ce là. Sera pour le compte de la Ligue 1. Merci. Honnêtement, je ne vois pas trop ce qui peut leur arriver face à cette putain, mais. Mais placement incertain, mais va te faire. Ça ne donne rien, c'est jouer trop fort. On sent que l'équipe va essayer de porter le ballon beaucoup plus rapidement dans la surface adverse. Mais c'est quoi ça? Un jeu plus direct. Ben Yedder. Allez, le plongeon là pour les photographes. Excusez-moi, mais c'est quoi ça? Ouais, enfin, ça fait un peu pop-corn comme intervention. Moi, j'ai demandé une passe et lui, il la met là. Non, mais what? Ah, il est bien parti ce corner. Eh, mais ils vont pas bien, les gens. Bah, il y a hors-jeu. Hors-jeu, faut pas abuser. Hein. Comme le hors-jeu de Koscielny quand il y avait Bordeaux-Lyon. Hein. Ah, il était visible. Hein. Heureusement qu'il y a la VAR. Hein. C'est cadeau. Ouais, heureusement. Que sinon ça ferait 2-2. Maintenant officiel, le Borussia Dortmund vient d'acquérir un nouveau joueur. Ah. Oui, Hervé a noté que le montant de la transaction. On a perdu de paille. Ah, très bonne anticipation sur ce ballon. Mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. Le tacle est propre, efficace, très bonne interception. Putain, je suis bon cul pour la défense, moi. Oh, c'est bon ça. Pour l'instant dans ce match, ils ont un avantage désormais à préserver. Ouais, on est dans les derniers instants du match et on va voir si les Lyonnais ont encore assez de fraîcheur. Oh, ça c'est bien ça. Jusqu'au bout. Oh, ça c'est bien. Oh, le gardien qui s'en sort. Oh, c'était pas évident. Vous avez vu que j'ai détruit toute la défense. Regardez. Sauf que là.
Là, je me retrouve face au gardien, dans un angle très fermé. Bon, c'est complexe. Super course et je suis que à 7. C'est une blague. Ça passe loin du cadre quand même. 7 de notes parce que j'ai juste fait ça alors que c'est incroyable. J'ai détruit leur défense, mais ça m'a fait gagner que 0,2. Et oh. Adrien Silva. Emile Glick. Ok, allez. Encore 7 minutes à jouer. J'arrive pas à passer, merci. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Jelson Martins. Allez, c'est maintenant que Monaco. Il y a faute. Je vais perdre des points. Ah, oh, ça va être chiant. Placement incertain. Mais. J'ai un carton jaune. Yes. Ouais, carton jaune, hein, qui est arrivé de façon un petit peu tardive. Ouais, on sent que l'arbitre a hésité. Ouais, il a hésité, il a vu que Francis est un beau gosse, il réussit des trucs, il a dit, oh, le... Ah, c'est Francis, quoi. Ah, et en plus, il s'appelle Romain. Quoi, on a perdu ? Hein ? Comment on peut perdre, alors qu'on était très très bon ? Mais les mecs, mais non, mais vous êtes sérieux? Mais putain, mais sérieusement quoi? J'amène, je crée le danger et tout. Je sors parce que je suis fatigué. Très loin du coup d'envoi ici à la HDI Arena. Non mais c'est sérieusement ça. De Pierre Ménès évidemment. Les amateurs de foot français vont être servis puisque c'est un match de Ligue 1 Conforama que nous allons suivre ensemble. L'Olympique Lyonnais contre Angesco. Mais l'opposition aujourd'hui encore. Oh là là, ça commence très mal. Hein. Leur adversaire du jour. Nous, on veut du spectacle épique. Ouais, moi aussi, je veux du spectacle. Mais si mon équipe perd après que je sorte. Je vous laisse découvrir la composition de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Moi, je marche. Hein, alors, sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de. Maintenant, je cours. Allez, on y va pour la composition de l'Angesco. Non mais parce que si c'est je fais les efforts 4-5-1 pour ensuite hein, que l'on va retrouver dans cette on perdre. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu. Mais aussi pour placer ça un sert point. À rien quoi. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Bon c'est là, voilà. Thiago Mendes. Ah la passe n'arrivera pas à destination. Ah, je viens de cracher sur mon écran. C'est affreux. Eh, attendez, je nettoie. Hein. Il est possible que je. Eh, je l'avais pas vu. Qui compte beaucoup sur l'apport de sa dernière recrue, qui sera dans les buts. Oui, c'est son premier match aujourd'hui, Hervé. On va suivre ça de très près. J'ai perdu une balle. Non, mais j'ai jamais réussi à gagner, à perdre. Zéro balle dans un match. Jamais. Ouais, parce que toujours que je perds des balles. Il tire un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Bon, ça va devenir compliqué pour lui là. Non, ça marche pas. Dembélé. Bertrand Traoré. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est hors jeu. Dembélé. Ah, il est parti trop vite. Et oui, il se retrouve hors jeu. Désolé Dembélé. Mais t'étais hors jeu. Une blague ? Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Ça, c'est magnifique. Bertrand Traoré. Pour Bertrand Traoré. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Eh oui, bien défendu. Il bah a oui, et oui, et oui, et oui. Comment voulez-vous qu'on joue ? Et putain, c'est mais reste en position. Mais je vais frapper FIFA. Hein. Quelqu'un pour l'aider. Allez, il faut centrer. S'il marque un but, j'ai vraiment les boules. Le défenseur qui sauve et qui dégage le ballon. Ah, j'aime pas les dégagements comme ça. Ça sert à rien parce que l'équipe adverse reprend la balle. Et avoir trop pu aller sur lui. Ah, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Tant mieux.
Qu'est-ce que ça va donner? Ah, c'est pas bien joué, c'est pas bien contrôlé. Un ballon pour l'adversaire. On est très mauvais Thomas actuellement. Ah, le tacle est propre, efficace. On a perdu la finale à cause des tirs au but. Bon, qu'un joueur lyonnais a réussi à au moins cadrer. Il y a des stats qui parlent d'elles-mêmes. Les Lyonnais touchent plus de ballons que leurs adversaires. Et bon, avoir le ballon et rien faire avec ou si peu, c'est quand même plus frustrant qu'autre chose. Oh là là. Le ballon qui sort, touche. Qu'est-ce que c'est faible. Mais qu'est-ce que c'est faible. En jeu, c'est faible. L'espace, c'est cadeau. Allez. Mettez un peu de rythme. C'est ma voix. Voilà, Traoré, c'est bien ça. Bertrand Traoré. Ouais, bien vu le centre en retrait. Oh là là, bien joué ça. Et la voilà la frappe. Pas de voilà, soucis, c'est bien regarder. Ça. On commence. Et là, ils vont me dire, reste en position. Non. Mais ils avaient intérêt. Hein. Ça va, Tube. Baptiste Santamaria. En profondeur, oh, bien joué ça. Il faut trouver une option disponible. Arrêt du gardien. C'est bien. Je crois que je l'ai un peu gêné. J'ai cru qu'il allait se prendre le gardien. De temps additionnel à jouer. Tiens, Marcelo. D'ailleurs, Léo Dubois. Et la mi-temps qui intervient. C'est compliqué. Sur ce hein. Score de 0-0. C'est sûr que c'est pas le Lyon-Angers qu'on a eu qui a fini en 6-0. Ah non, c'est sûr, c'est pas ça. Hein. Ça n'y ressemble pas du tout. Down. Ah, je comprenais pas pourquoi. Mais il y a beaucoup de monde qui nous rejoint sur Discord. Vous pouvez me rejoindre mon groupe Discord hein, dans la description de chaque épisode, chaque vidéo évidemment. Putain, il y a beaucoup de monde qui rejoint le Discord. Peut-être parce que je suis beaucoup plus actif. Ce qui est probable. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. Vas-y. Oh, ça, c'est pas mal. Je suis pas hors jeu. Attention, ça peut faire but. Ouais, il repousse, ça joue. Il s'en sort. J'aurais dû te frapper avant. Mais putain de sa mère. C'est pas possible, ça. J'ai pété un câble. Manchester City a été officialisé. Tiens. Oui, sachez que la transaction se situerait. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans des sphères assez folles. Oh yes! Oh oui, ça a touché le poteau! Et c'est mon premier but! Oh, c'était chiant! Hein. Ah, c'est moi qui crée le danger en plus! Hein. Oh purée! Enfin! Le ballon qui vient heurter le poteau hein, avant de rentrer. Il trahit parce que c'est mon temps, comme on dit. Hop là. Ah ben voilà, ça fait plaisir. Enfin un but. Ah, c'est sûr, FIFA 10, FIFA, ils vont pas me sponsoriser. EA, ils vont pas me sponsoriser après tout ce que je dis sur leur jeu. Mais putain, c'est pas intelligent là. Non mais parfois FIFA, il y a un truc qui est pas intelligent hein, quand même. Il centre sur le défenseur. Ah bah bravo. Ça va être un renvoi en 5m50. Qui permet à cette équipe de faire la différence pour le moment, on le revoit. Pas n'est pas lyonnais. Eh, hey, qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Eh. Hey. D'ailleurs, ah, la bonne qualité de ses passes. Tu pète. Qui veut un petit pète? Non, je rigole. C'est la voir. Ils font tourner en attendant. Je ne suis pas un. Ça, c'est pas mal. Ils cherchent des solutions là. Centre qui file vers le second poteau. Je sais pas si on pourrait dire que c'est bien, mais. Et ce centre qui n'est ramené pas, bon. Il est contré. Corner. Moi, je reste en avant-poste. Dans les avant-postes, on sait jamais. Il a cherché le point de pénalité sur ce corner. Bien joué, ça. 6 mètres. Ouais, ça passe loin du cadre. Dommage. C'était une bonne tentative. Je crois que c'est Marcel en plus qui a fait cette tentative. Mais c'est dommage. La prochaine fois, sans doute. Martin Terrier. Allez, tiens. Thiago Mendes. Ici. Très bien, ça. La passe était un peu trop. Oh, il est passé. Oh là 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 là. Ouais, c'est magnifique. Non. Ça ne passe pas. Et ici. Progresse. Allez, le ballon en retrait. Ça ne passe pas non plus. Pavlovic. Vincent Monceau.
Ici. Voilà. On va essayer de passer. Ah oui, le bon ballon là. Ben voilà. Le but qui permet à cette équipe de compter 2-0. Deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Que dit rien. Je suis un but. On revoit sur ces images que la défense est quand même un tout petit peu passive sur cette action. Oh là là, non mais ce but en plus, il va quand même saluer le petit numéro individuel qui amène ce but. On voit ce but sous un le gardien, il s'est un peu loupé, on va pas se mentir. Regardez-moi ça, le gardien, il s'est totalement loupé. Et ça fait maintenant mais en tout cas, c'est bien. Deux buts. Ils accentuent leur avance. Je suis content. Je suis devenu buteur. Ils pas le ballon, ils le perdent. Finisseur. Je fais tout. Voilà des stats qui parlent d'elles-mêmes. Ici. Les Lyonnais touchent plus de ballons que leurs adversaires. Très c'est bien. En train de tourner à la démonstration là pour cette équipe qui mène mais ne recule pas. Au contraire. Oh, elle bien défendu. Sur le milieu de terrain, au c'est tacle. Quoi? Chercher une ouverture, pourquoi bien sûr. Putain. Yes. Merci Anto. Oh, magnifique, le gardien bien joué. Bravo Anto. Ici, il n'y a personne. Voilà, très bien. Vous avez vu où je suis là? Je suis très très offensif. Ce que je vous ai dit, je suis un milieu offensif. Allez hop, moi je passe. Il prend pas le couloir finalement. Dommage. Bien joué ça. Ah oui, c'est très d'où il y a faute. Il y a pas faute. Le joueur qui cède à sa place. Écoutez cette ovation de la part des supporters, c'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match. La bonne lecture, bien joué ça. Intercepter ce ballon. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Il aura fini son échauffement, il est prêt. L'idée était là, mais après, il ne reste plus que 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Reste en position, en effet. Voilà. Jeffrey Adelaide. Oh dommage. Oh le but peut-être. Putain. Oh que c'est bien défendu. Si je peux mettre mon triplé. Bon, j'ai déjà mis un doublé, c'est déjà pas mal. 3 minutes de temps additionnel. Oh là là. S'il avance balle au pied. Oh, penalty. Faute dans la surface. Putain, je fais tout dans cette équipe. Tout. Je provoque, je fais des tirs. Regardez, pouf. Ah bah oui, là il y a totalement un penalty. Et en plus, ils me font changer. Oh. Pourtant, j'étais bon. Pourquoi? Trop fatigué pour ça. Peut-être. Bon, en tout cas, ah ben voilà, on a gagné. Enfin, on a gagné. Et on a gagné combien d'ailleurs? Ouais, moi je voudrais savoir combien on a gagné. Combien on a gagné? 2-0. Il a loupé son péno. Mais putain! Mais c'est pas possible, on est nul en péno. Deux buts, une passe d'ess. Putain, mais je fais tout, hein, c'est pas possible ça. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bref, nous on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, ciao tout le monde. Et merci pour ceux qui vont sur YouTube.